Parier gagnant, émission de sport, du sport et du, du pari sportif. sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Parier gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Euh, bonjour Ben. Guten Tag. Il y yeah, Naturlich, Genau, <laughs> hein, c'est ça. Hein. Ne peuvent comprendre que ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière. Ouais, et t'as réécouté, t'es d'accord. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc, y a un, il se passe un truc. Voilà. Il y a un truc. Vous le et, mer et merci à la personne qui a mis il euh, faut écouter au bout de la 16e minute. Euh, C'était là. Mais ouais, j'ai pas, ma langue à déraper. Voilà. Qu'est-ce qui se passe des fois dans ta tête On voudrait Je t'ai dit, j'étais en Alsace euh, quelques jours avant. Donc il y a peut-être eu des. Voilà, c'est ça, je pense. Alors, au programme de, de l'émission de, de cette semaine, bah forcément, on va rester sur notre fil rouge la Coupe du Monde de rugby et les demi-finales, le dernier carré. Yes, déjà, j'espère. On vous... connaît les quatre équipes. Ouf. Vous... Ouais. j'allais veux... dire, j'espère que vous, vous êtes régalé pour les quarts, parce que c'était sympa. Oui, régalé et remis. Ouais. Ben bah, voilà, 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 voilà. Mmh. Mais bon, on y était presque. On devrait, être là, on devrait être là, on devrait préparer un France-Afrique du Sud pour ces demi-finales. Ça, ça, euh, ça laisse de l'espoir. Et d'ailleurs, euh, en préparant l'émission, on n'en a pas parlé. mais euh, 2023, c'est pour nous. Je vous donne un PLT-Si à la fin. Oui, oh petit teasing. Ouh, ouh, oui, oui, je m'y pre prends mais tôt, alors, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que j'allais te poser la question, justement. Oh, bah, tu vois, ah, raccord. Raccord. Bah voilà. Donc, Coupe du Monde de rugby, ensuite un petit tour sur les terrains de la NBA. Ça a oui. commencé. Ça a commencé avec un Clippers versus Lakers. Ouais, moi je suis un peu fatigué parce que hier j'ai regardé un Philly Boston oh. sur, euh, sur Benny Sport parce que c'est eux qui voilà. Donc euh, je, voilà, là, là ça reprend. Là, pff, les heures de sommeil, <laughs> il y en a à voir moins. Mais euh, saison intéressante, on en reparlera un petit peu d'NBA, on en a déjà parlé la, la semaine dernière. Tu es sur la file d'attente pour aller voir le Milwaukee Bucks ah, contre Charlotte Hornets euh, de Paris, j'ai vu ça, c'est pire. 24 que... janvier 2020. C'est pire que Cédéon et hein. Pour ceux qui, pour ceux qui, qui ont suivi Cédéon et en minutes, minutes, n'y a plus de billets. Euh, bon, ma, ma femme m'avait demandé d'en avoir. Ce n'était pas pour moi, je précise. Donc je, euh, ceci ah, ne nous regarde. regarde pas. Voilà, euh, <laughs> merci. Mais euh, donc euh, bon, euh, ouais ouais, euh, bon, non bon, mais ça m'aurait plu d'aller voir bah, forcément ce ouais. match-là. Euh, mais mais bon, je, voilà, je non non, je, ça ne servait rien d'insister parce que comme tu dis, euh, apparemment c'est a été la. Mais c'est toujours. La, la... Les gens sont sur file d'attente, hein, il va falloir qu'ils attendent un peu. C'est fou. Bon, bref, c'est comme ça. Alors, après le petit point NBA, on va aller faire un petit tour sur le nouveau format de Coupe Davis. On va parler tennis bah ouais. à un moment mmh. donné sur. Je sais pas, quand. voir s'il des choses à faire. Un quoi, gros tournoi, mais... quoi. Un petit tournoi entre potes. Ouais, alors euh, c'est galvaudé maintenant d'utiliser le terme de Coupe Davis, mais bon, euh, parce que ça n'a plus, plus rien à voir à, à, avec ce qu'il y avait avant. On va voir si ça prend, on va voir si les gens le suivent. En tout cas, il y, y a des côtes. Oui, oui. voilà, il y, y, y a du pari dessus. donc oui, oui, mais justement, quoi, à on, voir s'il y a des on, choses à faire. Et puis surtout, comment faire Parce que le format est, est complètement nous, différent. Euh... Donc, on est perdu, les boucs aussi. Donc, c'est un peu, c'est aussi un avantage, on va dire. Donc, euh, voilà. Et puis après le point, le point coupe d'Ivis, ben on revient sur le foot et la Ligue 1 puisque c'est une, une très belle journée quand même qui se présente quoi entre Monaco, a... Nantes, ouais. PSG, Marseille. Il y a des petites choses à faire en plus ouais. euh, pour les autochtones brest-Dijon. <laughs> je sais que ça intéresse pas la France entière mais pour, pour nous voilà, il y a des petites choses des petites choses à faire. je suis plus inspiré sur cette journée-là que la journée d'avant et voilà, donc on, on verra ça aussi tout à l'heure. Eh bien, on commence avec la Coupe du Monde de rugby, avec Angleterre-Nouvelle-Zélande et Pays de Galles-Afrique du Sud. Alors, il yes. euh, y, y a des contextes, hein. on, on sent oui. que le Angleterre-Nouvelle-Zélande, déjà, l'avant-match a été mis un petit peu, en tout cas, l'équipe d'Angleterre a un petit peu mis la Nouvelle-Zélande sous pression avec ses histoires <laughs> d'espionnage. Ouais. Attention! <laughs> bah, attends, dans les deux. Euh, oui. Donc, on commence par Nouvelle-Zélande-Angleterre et puis à y a Garcès pour l'Afrique du Sud. Pareil, il fout de la pression sur l'arbitre. C'est une bonne guerre, on va dire, c'est comme ça. Euh, donc, Nouvelle-Zélande-Angleterre, je vais te dire la demi-finale annoncée du haut de tableau. Ouais. Et puis d'ailleurs, pour ce Final qui est... Final avant l'heure. Enfin, moi j'avais j'avais pris Nouvelle-Zélande Gain avec Angleterre, si Angleterre-Afrique du Sud remboursé. Pour l'instant, j'ai 3 sur 4 en, en, en demi, de toute façon je ne pouvais pas faire plus. Euh, bah, du... Franchement... Euh... Euh, je mettrai la Nouvelle-Zélande un petit peu au-dessus, mais il y a match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Tu vois, s'il y avait un match okay. en Angleterre afrique du Sud, euh, honnêtement, je ne jouerais pas parce que je ne saurais pas qui, qui, qui remporterait le match. Mais euh, Nouvelle-Zélande, Angleterre, écoute, euh, franchement, ben, voilà, je pense que, 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 que vous y serez, ceux qui sont passionnés de, de rugby. Euh, bah, devant va... la télé, vous y serez devant, devant la, la télé. télé, pardon, oui. <laughs> bah, Peut-être ils vont, j'en sais rien. Ah ouais, bah euh, c'est possible. Vu <laughs> qu'on est écouté par des millions de personnes, on ne sait pas. <laughs> Potentiellement. Oui, potentiellement. On n'a écouté euh... pas autant de potentiels êtres humains qu'il y a sur la terre. Ouais, enfin, le problème, c'est que le... voilà, l'antenne va pas, va pas si loin. Euh, c'est ça le problème. Mais euh, ouais, Angleterre Nouvelle-Zélande, que dire, que dire Bah écoute, euh, je pense que ça va être un, un super match. Enfin, j'espère que ça va pas coucher d'une souris. Hein. Mais euh, déjà, on avait, un, on a eu un beau Nouvelle-Zélande Afrique du Sud euh, en, en poule. Euh, là, Angleterre euh, Angleterre Nouvelle-Zélande. Voilà, faut, faut le regarder. Ça va être euh... enfin, Équipes qui sont, qui sont monstrueuses. L'Angleterre, justement, on en reparlera en, en fin d'émission. Mais euh, pour, pour des paris. Mais euh, ouais, Nouvelle-Zélande, ça reste mon favori. Voilà, ça reste ouais. mon favori. Alors, oui. Sur l'écart, sur la première journée de samedi, on a eu deux bonnes grosses fessées hein, avec du 30 points d'écart quasiment. Voilà, alors, euh, Est-ce que là, ce sera le cas? Est-ce que le, tu vois ouais. l'Angleterre euh, prendre un. Euh, prendre une. Il doule, non, quoi. Non. Non, 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 pas une fessée. Je vous rappelle, premier match de poule, le Nouvelle-Zélande, afrique du Sud, il 10 points, je crois. 10, 12 points. Euh, je vois d'un truc du même acabit. Euh, peut-être, allez, maximum, peut-être 15 points d'écart. Mais je vois pas les, les, les Anglais, euh, physiquement, ils sont au point. Enfin, je, je vois pas se faire marcher dessus. Euh, mais voilà, ça, ça va être vraiment super. Je, je vois la, la, la Nouvelle-Zélande gagner. Euh, je m'y risquerai pas euh, à, à prendre un victoire sèche ou dans un combiné parce que de toute façon j'ai déjà un, un, un pari long terme dessus. Euh, mais euh, je préfère plus Afrique du Sud, Pays de Galles, on va en parler après. Ben ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, fi euh, finale annoncée du haut de tableau. Euh, donc maintenant que le meilleur gagne et, euh, et ça va être super intéressant. Donc les deux matchs c'est à 10h. Hein. Un samedi, un dimanche. C'est pas à 8h du mat, donc 10h, ça va, au petit déj là. Ça tu def, les lèves tu chercher les croissants, tout ça, la baguette, et tu euh, mates ces demi-finales. Et euh, faites-vous plaisir parce que ça va être super, super intéressant. Ouais. Le angleterre nouvelle zélande j'ai hâte. Bah oui. Ouais. Franchement, euh, c'est franchement, un ça, Pays de Galles, Afrique du Sud, moi je suis pas du tout convaincu par le pays de Galles, après ce qu'ils ont montré en cas. Ouais, puis ils ont quelques... il y a eu de la casse aussi. Aussi, ouais. Il y un peu de casse. Euh, on, y, on y vient sur ce match Allez, on enchaîne. Pays de Galles-Afrique du Sud avec une grosse oui. absence côté africain. Ouais, Colby. Alors grosse ou pas bah Ouais ouais bah Colby pour moi, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière. Vous allez voir un peu ce qu'il est capable de faire. Bon, euh, on a vu beaucoup ma pimpy aussi. Bah, C'est son, voilà, son homologue de, de l'autre côté. Très 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 bon. Euh, voilà, c'est c'est des joueurs euh, on va dire euh, sur les appuis euh, bah voilà, ça, ça fait la diff euh, Ça court très vite et euh, et ne sera pas là donc c'est sûr que c'est un je vais pas dire c'est un problème mais c'est un manque. C'est un manque euh, Garcès euh, l'arbitre sera là et euh, on en parle parce qu'il y a tout un pataquès des africains sur Garcès parce qu'il y a une statistique qui est passée quand Garcès les arbitre arbitrés, je crois qu'ils ont gagné que 30 de leur match, Ouais. Mais d'ailleurs, ça prendre en compte parce que moi je suis, à, je, suis je vois pas comment l'Afrique du Sud peut perdre ce match là mais euh, cette stat me fait douter parce que l'arbitre fait partie du jeu et, euh, et si par exemple en mêlée euh, il siffle plus contre l'Afrique du Sud pour je ne sais pas quoi des bras cassés, des machins bon, euh, voilà mais euh, euh, tu sais ça peut, parce que si vous avez regardé les quarts les quart de finale comme annoncé, bon, je ne dis pas que le Japon c'est une supercherie, euh, ils il, il, il jouent avec leurs armes, mais il y a un moment donné contre les top teams, euh, parce que l'Irlande, euh, on a beau dire, mais euh, voilà, ça n'a ça, ça pas fait une grosse coupe du monde, et ce n'était pas l'Irlande qu'on qu aurait pu connaître il y a un an, un an et demi, quand ils ont affronté euh, l'Angleterre, les blagues tout ça. Euh, et l'Écosse, bon, euh, l'Écosse, on va dire que c'est voilà, plus non plus ce que ça pouvait être il y a, il y a deux trois ans, c'est un peu moins bon. Euh, voilà, c'est la... la cinquième des sixièmes la... des... sur le ci... sixième ouais, c'est la cinquième ouais, enfin, bon, c'est comme le classement euh, FIFA euh, pff, ça n'a aucune ah ouais, valeur alors... non mais ça n'a aucune valeur donc en gros euh, la preuve euh, c'est la, la Belgique qui est en tête euh, vous en fait. vous avez vu la, la différence physique qu'il y a eu à la fin ils ont fait même une, ils ont fait même une avancée sur 50 mètres les Africains du Sud je sais pas que si vous avez vu avant de marquer un essai là, en... impressionnant euh, physiquement voilà il n'y avait pas photo alors super hein, les, les Japonais avec leurs armes, vivacité et tout. Mais quand tu rencontres un, une équipe qui est aussi vif. Et, mais beaucoup plus costaud physiquement, bah forcément ça, ça se voit. Euh, donc là, franchement, pour moi, ça ne faisait pas un pli, même si à la mi-temps, vous allez me dire, il y avait 5 à 3. Mais vous savez qu'au rugby, tout se joue à la 60e minute, quand physiquement les joueurs commencent à être touchés. Et si vous n'avez pas un banc aussi costaud, bah, vous faites, excusez-moi voilà. le terme, défoncer. Voilà, C'est là qu'on perd son sang-froid aussi. Euh... Et qu'on lâche un gros coup de coude. <laughs> bon, on, on y vient sur le match de la France ou pas Tu veux en reparler non, non, on en reparlera pas. Non, on en <laughs> pas, <vous> avez, <laughs> non par vous... contre, on va en parler indirectement parce que. Euh, Pays de Galles, Afrique du Sud. Mmh. Autant, tu, tu, tu ne vas pas sur l'Angleterre-Nouvelle-Zélande, tu vas pas sur la victoire sèche de la Nouvelle-Zélande. Là, sur le Pays de Galles du Sud, là, oui, je vais sur victoire la victoire sèche. Oui, malgré ce que c'est dit, que un Garcès, 35, euh, c'est pas mal. Euh, oui, voilà. Malgré et tout, même avec un petit handicap pour les, les, les Français de l'étranger, moins 2, moins 3, moins 4, tout ça, pour moi, c'est bon. Moins 3, je répète, c'est une pénalité. Donc ça permet aussi de, de, de gonfler un peu la cote euh, Le Pays de Galles, ils ont un plan de jeu. Que nous on a réussi à contrer et que les Africains du Sud ont la vidéo, ils ne sont pas cons, hein, ils, ils voient un petit peu ce qui, ce qui s'est passé. Euh, franchement, pareil, je ne vois pas comment le Pays de Galles avec les armes du moment peut battre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils sont tellement costauds, rapides, c'est une machine, c'est une machine. Et d'ailleurs, on a bien vu hein, ceux qui ont regardé Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud premier match de poule, à la première demi-heure, les Blacks. Euh, Bon, ils n'étaient pas forcément très très fiers, ils ont laissé venir et tout. Mais euh, voilà, ils n'étaient pas forcément très très fiers. Donc, je, pour moi, là, s'il y avait un premier pari à prendre, ce serait Victoire de l'Afrique du Sud contre le Pays de Galles. Et je mets des petites guillemets, je te dis, pour l'arbitre, Je, je il voilà. y, y a ces stats qui, qui, qui m'embêtent un petit peu. Mais bon, euh, l'arbitre voilà, fait partie du jeu, on est d'accord. Mais à un moment donné, si c'est trop flagrant aussi, s'il a d'une une équipe, ça, ça ne va pas le faire. Donc, euh, pour moi, euh, on met, on va dire, les coronets sur la table, comme d'habitude. Je pense que vous n'a pas été déçu la semaine dernière. Ça. Et puis Malgré la semaine que... d'avant non plus Et puis la semaine encore avant, non Malgré qu'on voit souvent euh, plutôt des commentaires euh, On va dire euh, Quand un prono passe pas que quand un prono passe Bon ça, moi j'en veux à personne Parce que je sais qu'on c'est le monde du paris sportif et tout ça Donc euh, voilà je... Ça maintenant ça, ça me passe au-dessus Tant que nous, euh, voilà, on, on estime que, que Parce que ce qu'on vous donne Forcément on les joue aussi, hein, d'accord Donc euh, faut, faut pas rêver euh, Donc voilà, premier, premier pari D'autres de manière plus modeste euh... Euh, Ouais mais toi tu les joues aussi et d'ailleurs ouais, ça fait 3-4 semaines. un baguette donc... de 20 euros. Ouais mais voilà. Vous tu... <laughs> êtes content. Après il faut regarder le pourcentage de progression et tout. Euh... Donc Afrique du Sud euh... gagne contre euh, le Pays de Galles. Voilà. Ok, Dac, bon, on plie pour cette Coupe du Monde, enfin de, de, pour les demi-finales. On reparlera de la finale. Et on verra la finale. Et pareil, hein, je me souviens, j'avais recruté l'émission, j'avais dit, euh, je dis l'Afrique du Sud, pour moi, sans problème contre le Japon. J'avais dit, euh, j'aurais l'air con si c'est un demi, une demi-finale France-Japon. Un bon, bah là, c'est pareil, <laughs> c'est une galme une branlée à, à l'Afrique du Sud, pareil. J'aurais l'air con. Mais bon, bref, c'est pas grave, euh, c'est déjà arrivé, donc il euh, n'y a, a pas de soucis. <laughs> on fait un petit point NBA. Allez, on donc, passe euh... dans NBA, ça a commencé. Voilà. Mais ouais, ça a commencé. Alors ça a commencé avec une super belle affiche là. Ouais. Les Clippers contre les Lakers. Euh... J'ai regardé Mais... aussi. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé des Clippers Bon, comme je pensais. C'est pour moi, euh, pour moi, pour moi. Et là, je me suis positionné. 4,55 euh, pour le titre euh, ou ouais. sur autre chose En fait j'ai mis 4,55 sur le titre et puis pour gonfler ma cote euh, j'ai rajouté des trucs safe en Paris long terme sur ouais. euh, je sais plus en foot des, des top 4, top 6 ou top 10 enfin bon bref je, je, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis exactement dedans parce que j'avais tellement de trucs mais euh, pour monter j'ai gonflé ma cote à 7 ou à 8 j'ai doublé euh, et euh, ouais parce que ce que je pensais, c'est ça. Sachant qu'il n'y avait pas Paul George. Attention, ouais. il n'y avait pas Paul George. Même s'ils vont se marcher un peu sur les pieds avec Kawhi, mais ils sont assez intelligents pour. pour, euh, voilà, pour... Ce, ce match a confirmé une décision que tu avais prise en amont ou euh, tu as attendu de voir ce match pour confirmer euh... je, je voulais voir comment Kawhi -Ka allait euh, s'adapter euh, aux Clippers. En fait, tu as l'impression qu'ils joue avec eux depuis longtemps. Donc euh, ça, ça m'a rassuré. Euh, et c'est surtout leur banc monstrueux. Euh, Mo Williams euh, euh, voilà, voilà c'est pour moi euh, sixième homme euh, sixième homme de l'NBA 6 euh, homme de NBA, pour ceux qui ne suivent pas ça veut dire qu'en gros, en gros c'est le meilleur joueur euh, en sortie de banc voilà et euh, mine de rien si vous avez deux escouades euh, un gros 5 de départ et une équipe du banc qui tient la route et que quand c'est les deux équipes du banc qui jouent ben, elle, 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 a vraiment une, une, Elle prend le pouvoir par rapport à, à, à l'autre équipe qui est en face. Euh, c'est là que vous creusez les cas. En NBA, si vous avez deux cinq, deux, cinq qui ouais. sont qui, qui sont équivalents, c'est c'est quand le banc rentre que, que, que le match peut se jouer. Ouais. Et Clippers, ont un gros banc. Euh, Alors voilà. je, 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 juste envie de te poser une question par rapport à un truc. Euh, Doc Rivers, c'est pas la première fois qu'il a une bonne équipe. Hein. Ouais. Parce qu'il a quand même eu, il y a 3-4 ans, il a quand même eu un, un et 5 et avec euh... Blake Griffin, euh, Chris Paul et puis, euh, puis andré et... Jordan qu qui n'était pas… Euh, qu T'as pas dégueu, gueux ça, ça claquait quand même. T'as pas dégueu gueux, ouais. ouais. Oui, De et... Rivers il peut, il, ça... peut, il peut conduire cette équipe-là Bien sûr, il peut conduire cette équipe. Et, puis, euh... et, et franchement, je ne vois pas qui… <laughs> Aujourd'hui, euh, alors bien sûr, hein, euh, si vont si, en finale, fin, après en play-off, ça, 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 ça peut être serré contre, contre certaines équipes, puisque, mine de rien, aussi, il euh, y a, y a de, belles, de belles teams en face. Mais euh, pour moi, euh, ça va avoir une défense de ouf. Là, par exemple, pour, pour vous dire, euh, de mémoire, euh, les Lakers sont marqués 101 points, ou, non, 102 points. 102 points avec, euh, avec à 3 points un 7 sur 9. C'est pour vous dire que pour moi, contre les Clippers, pour marquer plus de 100 points, elle m'a force de veto. Donc, euh, et pour moi, dans le sport, euh, avec bah, l'expérience que j'ai, c'est. Puis si vous, avez aussi, vous faites aussi du sport à niveau moindre, euh, vous gagnez par la défense. En sport collectif, vous gagnez par la défense. Donc eux, ils ont une défense de fer et une attaque de feu. Donc euh, moi, c'est le ticket gagnant. Alors à tous ceux, euh, parce qu'il y en avait qui avaient anticipé. Même si c'était compliqué de, de, de lire et de voir Kawhi au Clippers et avec paul George surtout. Euh, parce que la cote, elle était à 20 avant, le, avant le, la signature. Après, elle est descendue à, à 4,5-5. Pour moi, ça reste bon. Voilà, ça reste bon à prendre, à prendre cette équipe-là. Alors, la semaine dernière, je parlais de surprise, hein, d'accord, avec, je vous avais dit quoi, Utah, et je sais plus quoi. Je parlais de surprise. Mais là, voilà, là, pour moi, c'est vraiment... Euh, alors bien sûr, hein, j'ai pas le de bout de cristal. Si Kawhi se blesse, bon, ok, ça, ça rebat les cartes et, euh, et ce sera, sera pas pareil. Mais avec l'équipe au complet, l'escouade au complet, euh, moi ça vaut le coup un billet à 4,5 et euh, demi. Il y a encore un peu de value là-dessus pour moi, j'imagine. Et, euh, et c'est Paul et Lakers pour moi de LeBron James qui, qui, qui vont faire le taf parce que déjà par rapport au banc, le banc des Clippers pour moi, <laughs> allez, je m'avance, mais c'est le meilleur de, de la NBA. Et donc euh, avec un gros 5 aussi, euh, pour moi, il n'y a pas. Ils vont vraiment bien, bien s'en sortir cette année euh, et euh, ils seront au minimum, je pense, en finale, en finale. Euh, en finale. Voilà. Tu voulais aussi aborder les classements de conférence. Ouais, les... Il y avait des choses. De div, de div, de div, de div. Les divisions. Euh, voilà un petit point vite fait. On euh, euh, commence par le commencement. Division Atlantique. Il euh, y a Philly, Boston, Toronto, Brooklyn, New York. Je vois pas qui peut rivaliser avec Philly. D'ailleurs, Philly a été bat de Boston. Il m'a battu Boston là dans euh, cette nuit. Bah, c'est ça que j'ai regardé en fait. Oui. Voilà. Euh, Ambib a perdu un peu de poids. Non, mais le problème, c'est que quand tu regardes trop de trucs, tu ne sais plus où tourner. Euh, Philly 1.60. <laughs> J'estime que c'est pas mal à prendre. Euh, Toronto ne pas Boston non plus. Euh, Brooklyn un peu en dessous aussi. Donc Pour moi, c'est pas mal. Dans la... Euh, comment j'allais dire dans la, dans la division centrale. Bon, Milwaukee largement favori 1-1. Alors, est-ce que ça vaut le coup pff, bon, euh, Dans un combiné, euh, si vous pouvez, parce qu'il y a des bouts qui, qui interdisent les combinés sur les vainqueurs de div. Euh, ouais, ça peut, être, ça peut être pris pour gonfler quelque chose, même si Indiana. Euh, ouais, Milwaukee, pour moi, y a, là, ça ne fait pas un pli. 1-1-1 de toute façon. Euh, donc, division, euh, division nord-ouest, euh, bah, je ne m'aventure pas, parce que ça va être très serré. D'ailleurs, les codes sont là de 25, de 25 à Là, euh, j'y touche pas. Quand vous n'arrivez pas à lire euh, quelque chose, c'est pareil, vous forcez pas au pari. Hein. Si il si, si, si y a rien qui vous inspire, forcez pas la, la main. Euh, ensuite, nous avons euh, la division, euh, alors c'est laquelle que je vais faire Pacifique. Pacifique avec euh, bah les Angelinos, les, tout, 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 enfin les Los Angeles, pardon, les deux équipes, et les Golden State Warriors. Euh, bon, Golden State euh, va être un cran en dessous. Il manque quand ouais. Clay Thompson d'ailleurs. Sifker fait un Clippers peu. Les Clippers c'est un 6, c'est bien ça. Ben pour moi, pour moi voilà, ça ça se prend parce que je les vois devant les Lakers. Et je vous dis pourquoi Parce que les squads des Lakers, James peut pas faire tous les, 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 les matchs, euh, Davis non plus. Je pense que Kawhi et Paul George non plus en face. Mais vu qu'il y a une, un meilleur effectif qui se connaît depuis longtemps, je ne vois absolument pas comment les Lakers peuvent être devant euh, les Clippers dans cette div, j'ai vraiment du mal, il y a tellement euh, euh, j'allais dire, des, des connexions meilleures au niveau des clippers que des Lakers que pour moi ça fera pas un pli. Donc vous pouvez trouver ça autour d'un 60, un 70, pour moi c'est très très bon. En Paris, euh, long terme, sousiste euh, euh, Miami, Orlando, Atlanta. Bon. Euh, pff. Là, je dirais que la value est sur Orlando euh, avec euh, Vucevic et, et Fournier. Euh, mais voilà, j'y vais pas non plus parce que ça, ça risque d'être serré. Là, 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 je suis quoi je suis, euh, je suis quoi Sous-Ouest, sous, sous pardon Sous-Ouest ouais. avec euh, ouais. bah, les Texans, on en avait parlé. Euh, tout ce qui est Houston, San Antonio Dallas, euh, Nouvelle-Orléans. Euh, autant je vois pas San Antonio autant euh, Justin c'est trop bas 1,3 alors s'il y avait une pièce bah là s'il y avait une pièce s'il y avait quelque chose à mettre bah, je prendrais plutôt les... Je ne prendrais pas Houston, en fait. je prendrais les trois autres. San Antonio, Dallas, Nouvelle-Orléans. Euh... Ouais, je prendrais plutôt... Euh... Parce que Houston, mine de rien, il y a beau avoir Westbrook, Ardenne, Capella, enfin voilà, il y a, a du monde, Gordon. Mais c'est pas valu un 1-3. Donc si jamais il y avait un truc à jouer, euh, ce serait plutôt les, les trois autres. Bon, je m'y aventurerai pas, hein. là c'est pas du safe, bien sûr. Euh... Et j'ai dû faire le tour. Bon, okay. Je pense. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour moi. Euh, et là, euh, où je suis le plus sûr, je mettrai les Clippers et après je mettrai Philly dans okay. leur division respective. Et un vainqueur de conférence ouest quoi voilà trois Ah, bah si, 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 si je les ai pris gagner de NBA, forcément qu'ils sont obligés de gagner leur conf. Pas nécessairement. Euh... Ils peuvent gagner leur conf en étant. Euh... Quoi ils peuvent... Et s'ils si gagnent, gagnent leur conf, après ils vont en finale. Le vainqueur de la conférence ouest, on parle du classement par le classement à la fin de saison régulière ah ou non. Euh, le vainqueur Ah euh... non, non c'est PO inclus, playoff inclus. Mmh. Ah mais c'est pour ça. Est-ce mmh. qu'il est logique que la cote soit à 3 pour gagner à Conf et à 4,5 et demi pour 4 ou 4.25 pour gagner la pour gagner la compétition Ah oui, oui, non mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent -être là, se poser la question les classements de vainqueurs de division, ça c'est à l'issue de la saison régulière. Oui. Aha. Tout à fait. Oh. Ah non, mais as, tu fais bien, parce que c'est ce, une question que, que des personnes auraient pu avoir. Donc, vainqueur de division, fin de saison régulière, vainqueur de conférence. Euh pour les les playoffs qui comptent et, euh, et bien sûr vainqueur de oui mais parce que par exemple en rugby on avait pris un lion un lion euh, gagne la saison régulière donc oh, c'est bien de le préciser c'était pas une question euh, question bête question intelligente de... qui, arrive, euh, du <laughs> qui arrive du fou ça m'arrive de temps en temps <laughs> ouais. euh, mais t'as raison et euh, donc voilà euh, je vais encore donner de, de paris là à prendre qui pour moi sont euh, très très intéressants alors c'est parti. On poursuit cette émission avec. Euh, bah maintenant on va parler un petit peu de, de tennis. Allez. La petite balle jaune. On allez, va parler allez. de coupe Davis. Pff, ouais, non mais on va parler de quoi Non mais change-moi ce terme. Pas de la coupe Davis. C'est quoi bah, Moi je sais pas. ouais ça s'appelle la coupe Davis. Hein. La coupe. Je... Euh... Ouais bon Donc, allez. T'as beau faire ton punk rebelle. Euh, ça s'appelle la coupe Davis, bonhomme. Bah, c'est euh... comme ça. Ok. Euh, euh, Donc tu euh, nous euh... expliques un peu le, fon le fonctionnement parce que. Bon, je n'ai pas compris grand-chose en fait, avec des histoires de poule, tout ça. Les matchs, c'est en 2-7 oui. gagnants Oui. 2-7 bah, -ce, oui. gagnants. C'est bah, euh, ouais. comme un petit tournoi, enfin, c'est pas, pas le format grand chelem c'est le format TP ouais. 250, quoi. tu vois, TP 500. Euh... Non, parce que c est, c est, c est, je sais pas combien de matchs va y avoir en une semaine, ça va être la fête du slip. Enfin, il n'y a pas qu'un terrain. Hein. Oui, je sais. <laughs> c'est comme un tournoi, en fait, toi. Donc, euh, tu sais, c'est hyper condensé ce... le machin, quoi. Sur une semaine. Oui, mais c'est fait exprès aussi pour avoir euh, bah, tous les numéros 1, parce que Joko le fait, Nadal le fait, euh, ouais. avec leur team respectif. Euh, euh, voilà, donc euh, tous les numéros 1, normalement, euh, de, des équipes le font. Tiens, à part l'Allemagne, je crois que je n'ai pas vu ce VRF. Euh, mais euh, voilà, donc le format, c'est des poules. Okay. Voilà, vous avez six poules de, de trois équipes. Okay. Euh, fait suivant, euh, on va dire le classement mondial, un hein, tas de têtes de série, des choses comme ça, euh, avec des chapeaux. Tu trois chapeaux. Euh, et donc, on a six poules de trois. Les premiers sont qualifiés et les deux meilleurs deuxièmes. Bon, pour l'instant, ça va. Assez... On comprend quand même, mine de rien. Après, les quarts de finale, c'est euh, bah, des premiers. Il euh, bah, y a des premiers de groupe qui se rencontrent. Et puis, bah, il y, euh, y a des chanceux qui ont le droit d'avoir le meilleur deuxième. Hein, donc, ouais. euh, premier du groupe A et premier du groupe B ont euh, les, euh, comment dire, les meilleurs seconds, D'accord donc, euh, donc, la France qui se retrouve dans la poule de la Serbie. Ouais, ça c'est pas terrible, compliqué parce qu'il y a Jojo Jojo qui, qui vient ça. et il y, a, il y a le Japon, il y a Jojo ouais, mais Nishichichi sera pas là, ah. Nishikori sera pas là. Donc au minimum on finit deuxième et, 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 et après vu le format c'est deux simples un double, on a Mahu Herbert normalement euh, chez nous qui joue, euh, mais après mon expérience me fait dire et tous ceux qui suivent le tennis veulent me dire euh, quand vous avez Mahou Herbert, on va dire que c'est euh, une top team double, d'accord des meilleures teams de double. Mais j'ai déjà vu dans des Coupes Davis, euh, format euh, normal, hein, qu'il y avait avant, euh, style des, des, des super pairs qui allaient jouer contre une, une équipe en face où il y avait un, un gars du top 4, euh, Joko, Nadal ou Federer, avec un bon joueur de double qui mettait la pâtée euh, à la paire de double d'en face. Pourquoi Parce que. Bah, le, le joueur de simple est tellement au-dessus au niveau des coups qu'ils arrivent à prendre l'avantage même sur une équipe de double experte. Et ça, je m'en suis rappelé euh, quand je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des paris long terme à prendre Paris long terme, Paris moyen terme, parce que la compétition commence bientôt, la semaine prochaine. Mais, euh, et ça m'a fait un Attends, peu, ça, fait un peu euh, ça commence bientôt. Non, c'est le hein, 14. Euh... Un truc comme ça, non C'est mi-novembre euh ça commence le 18 novembre ah oui non, non pardon on est en octobre oh là. je croyais qu'on était en, je croyais qu'on était en, en novembre mais non, vous non, inquiétez en octobre, pas, en fin d'émission on vous parle de la coupe du monde 2022 au Qatar ouais faut que tu te couches à 4-5 heures hein, Oui. Es gentil hein. voilà c'est normal oh, je suis susceptible euh, ah non non non, non mais c'est que des fois je perds tu vois je sais plus au niveau du temps où on en est mais euh, donc voilà c'est il faut faire attention à ça donc tu as dans la poule A France, Serbie, Japon la poule B Croatie, Espagne, Russie. La poule C Argentine, Allemagne, Chili. La poule D Belgique, Australie, Colombie. La poule E Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas. Et la coupe F euh, le groupe F, pardon, États-Unis, Italie, Canada. Voilà. Donc euh, et après c'est simple, hein. ceux qui gagnent les quarts de finale, bah, ils se rendent compte et demi. Après c'est la finale. Euh, et euh, Donc, ouais. en fait il y aura deux simples et un double. Et un double. Voilà. Voilà. C'est ça. Il y, Donc, y a, il y aura un point du coup. C'est euh... un point à chaque fois. Donc okay. ça peut faire 3-0 ou 2-1. Ok. Voilà. Euh, donc après, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez compris ça, on va regarder un petit peu qui est sélectionné. En France, on a Gaël, mon fils Benoît Père, Tsonga gars, il a perdu double. Mais et Père, Bernard, il l'a fait ou pas On bon joue de toute façon, il ne jouera pas. D'accord. <laughs> je pense que ça va être Gaël, mon fils et Tsonga qui vont jouer. Lui, il vient un peu en, en remplaçant. Euh, mais je pense qu'il ne jouera pas. pas J'ai cru voir qu'il ne qu fera pas de match. Il ne pas vous avez, été... euh, Alors je vous dis, quand les gros sont là en Espagne, vous avez Nadal. En Serbie, vous avez Djoko. Bon, la Suisse c'est pas là de toute façon, donc voilà. Comme ça, ça, ça règle les choses. Euh, en Allemagne, il y a pas, y a la pas de C'est pas qualifié. il Y a pas, bah ils sont pas là. Ils sont pas dedans. Donc euh, non, bah non, parce que quand tu n'as pas Federer et Vavrinka, Tu plus dans les, étais plus dans, les gros, dans le, le groupe mondial. Si tu veux. étais plutôt dans relégué dans la division inférieure. Donc voilà. Euh, et il y a eu des pré, comment je vais dire ça, des présélections, enfin des, comment je peux te dire ça. Il y a eu des phases qualificatives en février ouais. de cette année. Il n'y a pas eu de wild pour, et, coup, euh, pour et, certains pays et bah c'est là que je me dis ils sont cons parce que tu aurais fait une wildcard à la Suisse Tu aurais fait derrière à vaincre quand même bah ouais. bon bref mais c'est comme ça et euh, donc voilà t'as et quand tu regardes tu te dis bah t'as du Joko mais qu'est-ce qu'il y a derrière Pfff. Bah, tu as, as du Lajovic, tu as du Papi type tu as du Krajinovic, bon, c'est pas, pas top. Nadal, à plus intéressant, tu as du Bautista Auguste, hein. bon, pas, il a fait un très bon début de saison. Tu as du Karen Busta et tu as surtout aussi une paire Granollers, Féliciano Lopez en double qui, hein, qui, 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 qui touche sa bille. Euh, Qu'est-ce que tu regardes Bah oui, il y a Japon, il y a Panishikori qui est blessé depuis un moment. La Russie, bababoum, Medvedev Kachanov, attention, on va sortir la calache là. Euh... <rire> <rire> non, mais bon, je, je parle de service hein, très, très puissant, hein, on n'est pas d'accord Je ne fais pas du tout de, de politique ou ce que tu veux. Euh, je te vois te marrer, mais bon, bref, euh, là vous n'avez que le podcast, vous n'avez pas les images. Euh, donc, qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce qui en ressort C'est ça ta question Qu'est-ce qui bah, pourrait qui est, mais... qui est favori en fait, bah, en fait mais Pourquoi ça, la France à 5,50 en fait euh... Pourquoi la France à 5,50 Ouais, deuxième favori selon les boucs. Très bonne question. Euh, bah parce qu'ils estiment qu'on euh, a, de, a des chances de finir premier de notre poule. Parce qu'on a une bonne paire de doubles, donc ils estiment qu'on va avoir un point. Qu'on va perdre un point contre Joko. Mais qu'on va gagner le deuxième point du simple parce que nos joueurs sont fondamentalement meilleurs que le deuxième croate, donc ça ferait du 2-1 pour nous. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Euh, pour tout te dire, enfin j'imagine quand, quand j'étais bookmaker, enfin en tout cas c'est comme ça que que j'aurais réfléchi pour voir un petit peu ce que je pouvais mettre sur cette compétition. Vu que c'est une nouvelle compétition, bah, le bookmaker a un petit peu de mal à côté quand même. Euh, c'est ça, ça le problème. Enfin bon, en même temps, euh, voilà, euh, ils ont le même problème que nous. Savoir qui peut gagner. Euh, et c'est pour ça que la France a là une, une cote plus basse que, que la Serbie. Donc, les favoris de la compète, c'est Espagne euh, autour de 4, la France à 6, la Croatie à 7, les USA à 9, l'Australie à 9, la Serbie à 8-9 aussi, l'Allemagne, la Russie à 9-10. Enfin voilà, il y a quelques grands fa gros favoris. Euh, alors... Honnêtement, c'est en Espagne que ça se. À Madrid. Voilà. Bon. Je... Parce que c'est aussi à Madrid, ils ont raison de mettre l'Espagne favorite. Pour moi. Euh... En plus, quand tu. Enfin, pour moi, ils avaient raison de la mettre favorite. Après, le problème, c'est qu'ils ont un coup un peu de la mort avec la Croatie et la Russie. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Parce que je te dis, Medvedev, aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait capable de battre Nadal. Donc si je me projette sur un Russie-Espagne, euh, si Medvedev va euh, pour moi, derrière, euh, la Russie, euh, elle a des chances de finir première. Et aujourd'hui, la Russie est cotée à 10. Donc si j'avais des choses à prendre... Euh, oui. Euh, mais, 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 non, moi, c'est une question pour l'après. Euh, je, euh, je Si j'avais des équipes à prendre là-dedans euh, pour gagner la compète, je mettrais l'Espagne-la Russie. Il euh, y a une petite value sur la Russie pour moi. Euh, L'Espagne forcément mais euh, s'ils finissent premier de la poule euh, ils se retrouveront en bas ils vont, ils, ils vont jouer contre le meilleur second donc pour moi ils passeront ils seront ils seront en demi euh, voilà donc euh, je mettrai euh, je prendrai Espagne Russie et je prendrai la Grande-Bretagne parce que notre euh, parce que parce que c'est une cote à plus de 20 parce que Muret est là euh, ah, il vient, fois, il vient de remporter son tournoi Il vient de remporter son un... .fr, 12 pour la Grande-Bretagne ouais, ouais, on... Désolé pour le point .fr mais euh, pour les francophones étrangers vous avez du, du plus de 20 euh, là, comme l'appelle Benoît Mélin <laughs> Muret et eh ben écoute c'est le phénix Non non, mais ça déconner déconne, il, il en a pleuré Il vient de gagner un petit tournoi là, ouais. contre Vavrinka, il en a chialé parce qu'il sait d'où il vient euh, Il sait tous les efforts qu'il a fallu faire euh, ça, Ce schéma-là, de 7 gagnant lui va très très bien alors il aurait dû perdre contre Vavrinka, pour ceux qui ont suivi le match, c'est Vavrinka qui s'est un peu chié dessus. Mais euh, en plus, il va retrouver son frère Jamie. Ouais. Euh, et la paire, Muret, euh, Muret, euh, Muret, Muret. <laughs> euh, Muret au carré. Euh, Franchement, il n'y a pas grand monde. Euh... Il n'y a pas grand monde qui peut les battre, je, je pense. Euh, et vous avez un Daniel Evans en, en, deuxième, en deuxième simple qui est pas dégueu. Donc, euh, eux, ils ont eu une voile card. Hein. Ils sont invités, la Grande-Bretagne. On me demande pourquoi, comme ça. Euh, et une cote de vin, mine de rien. Euh, bah pour moi, ils peuvent faire quelque chose, sachant qu'ils sont avec le Kazakhstan et les Pays-Bas. Ah, franchement, euh, je, les vois, je les vois sortir de poule, même peut-être premier. Euh, et ils euh, rencontreraient après le premier du groupe C, qui serait soit l'Argentine, l'Allemagne ou le Chili. Ils peuvent très bien les battre. Donc pour moi, la Grande-Bretagne à 20, euh, je les vois euh, au moins en, en demi. Et après, écoute, euh, bah après, euh, tu sur, sur une rencontre, euh, voilà, ça peut. J'avais une question à te poser par rapport ouais. au, toujours au format. Jean-Michel s'intéresse au format. Ouais, Auras un match de simple, ensuite un match de double. Ah, je sais pas. Et un simple décisif. Je sais pas si il... c'est le double qui sera décisif. Je, je sais pas s'ils font. Euh... Bah, moi, euh, si j'étais eux, j'aurais fait deux simples et le double décisif. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Ok, je mais là, tu me poses une colle. Euh, je peux vous dire de conneries. Je, je, je sais pas dans quel, dans quel sens parce ça que fait. ça peut avoir son, son importance. Ah, bah... Tu parlais du double euh, de Murray au carré là pour la, la Grande-Bretagne. Euh... Tu les fais jouer sur un, sur un match 2, c'est un point quasiment assuré. Attendant de ce que tu me dis, de ce que tu me décris quoi. Ah ben c'est bien sûr tout, tout dépend. Mais là, ah, je t'avoue que j'ai pas, je, je sais pas dans, dans quel ordre ils font. Pour moi je pense qu'ils... pour moi je pense qu'ils vont faire deux simples un double. Je, je pense. Okay. D'accord. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est ça. Euh... Après, euh... Euh, euh, ouais. je, je, je pense que ce sera, je pense que ce sera comme ça. Donc euh... après s'il y a des, comment j'allais dire s'il y a des règles, on va dire euh, un peu spécifiques, euh, un, voilà, j'avoue que je ne peux pas aller dans les méandres. J'ai pas été voir les Astérix au niveau de, de, de la réglementation, mais euh, voilà. Pour moi, euh, euh, pour moi, j'aurais fait deux simples doubles. J'aurais fait deux simples Donc vous avez compris. Euh, Espagne, Russie. Euh, Et Grande-Bretagne Espagne, Russie, Grande-Bretagne, j'aime bien euh, voilà euh, j'estime que le Canada, Chapovalov, Raonic Raonic, il ne met plus un pied devant l'autre là, il, enfin, je trouve qu'il il y, y a un petit souci euh, Belgique, il n'y a que Goffin. Euh, Serbie, il n'y a que Djoko ben, voilà. Et La France, ouais, la France, mine de manière, on n'a pas de points faible. Mais euh, déjà est-ce qu'on est-ce qu est que la constante suffira pour remporter c'est ça matchs. mais est-ce qu'on finira premier de notre pool euh, et si on finit pas premier de notre pool est-ce qu'on finira meilleur second voilà donc, et pour finir meilleur second je pense qu'il faut coller un 3-0 à une équipe et je pense qu'on peut coller 3-0 au Japon donc c'est possible bon voilà donc euh, mais la France euh, bon la France je la prends pas j'estime qu'il n'y a pas, pas valu au vu du au vu du groupe voilà okay. pour euh, petite analyse coupe des qu'on affinera n'y mettez pas votre paye franchement euh, voilà mais moi aujourd'hui euh, c'est en même temps ça, ça, mettez jamais votre paye non, non, est pas <laughs> est on est d'accord donc voilà moi c'est sûr que c'est dans un mois il peut y avoir des blessés donc euh, d'ailleurs soyez attentifs à ça si par exemple Nadal se blesse, oubliez ce que je viens de vous dire. d'accord Ou si Medvedev se blesse, ou, ou si Murray se blesse, Joko. oubliez. Non mais voilà ça. Voilà, donc euh, voilà. ils n'auraient ils auraient, ils auraient aucune chance de, de gagner. Allez, on passe on à continue. la suite. La Ligue 1. La, la Ligue, Ligue 1. 1. Ouais. Alors en plus, belle journée. Nous avons un classique Nantes-Monaco. Un ouais. peu pour tous les fans des années 80, hein, le premier match passé sur Canal, c'était un Nantes-Monaco en 84. Moi, je suis de la génération euh, Pedros-Loco-Wedek. Mais ouais, <laughs> mais non. Ah bah, Nantes-Monaco, euh, Tu Je rappelle pas d'un but là où euh, la balle la, la, la balle touche pas terre là Mais oui, ça c'était le bon Nantes de Loco-Wedek, de Coco-Siodo. Pedros, Putain, tu, prends, tu prends un gros coup de. Gros bah, coup tu différent. prends 25 ans. Et là il y en a plein qui Alors, ah, l'autre jour attends euh, petite parenthèse j'ai halluciné quand le coach de, de, de Brest Donc Cardona a marqué la volée là et que Daloghi a comparé ça à JPP il me dit ouais, mais dans les vestiaires ils savent pas qui c'est JPP Oh la vache Ah ouais Oh là tu prends un coup Et là je suis en train de le dire JPP il y en a qui se disent pff, non c'est qui ce gars là je n'y crois pas Bon, quand t'as 18-20 ans, Jean-Pierre Papin, ça te parle pas forcément Non, mais hein, c'est parce que tu peux pas jouer avec dans FIFA, en fait. C'est pas un joueur. Parce <laughs> Et... qu'ils font des classiques dans FIFA. Ah J'allais te demander, ils font pas avec les vieux Si, si. Alors, ah oui, voilà. Ouais. Bon, okay. euh, côté foot, euh, bon, grosse parenthèse jeu vidéo, ouais. mais si tu veux jouer avec des vieilles équipes, t'amuser de faire des revivals okay. années 90-80, il okay. faut, faut jouer avec une billet D'accord, ok. Côté basket, là, il y a, y a de quoi faire. D'ailleurs, euh... <laughs> Ribéry, il gueule sur sa tête dans la FIFA. C'est vrai que c'est oui. absolument pas oui. Oui. Bref, allez, on ferme la parenthèse. Nantes-Monaco. Mais on en reparlera. On avait dit avec dame qu'on oui. ferait un comparatif PES-FIFA. Ben, je vous laisserai faire. Nantes-Monaco, ça m'inspire absolument pas, donc j'y touche pas. Ok. Euh... Et on peut, on peut souligner que Nantes est outsider, à la maison. Alors qu'ils sont deuxièmes. Ils sont oh, toujours deuxièmes Je trouve ça sont... euh, non mais je trouve ça euh, étrange mais c'est pour ça que ça ne suis absolument pas ce match là je ne sais pas. Alors l'autre match, on y vient, PSG ah ouais. Marseille. Voilà. Alors le Classico. Euh, qu'est-ce qu'on fait sur un sur un truc comme ça Toi tu tu t'es intéressé, il y a des choses à faire. Est-ce que le but de euh... à 1.68 c'est quelque chose qui se prend Ah c'est ça la cote 1.68. Ah bah oui, ça se prend. Et bah OK. 68 Bah ouais. Alors, je te dis, ça se prend. Personnellement, je ne vais pas le prendre. Ouais. Mais euh, ça se prend. Enfin, voilà. Mais euh, d'accord, 1,68 68 Et oui Putain, oui. la vache, je trouve ça haut, en fait. Quand... Enfin, je dis, je ne le prends pas, mais euh, ça demande réflexion. Parce que je peux le trouver un peu plus haut, en plus, je pense. Alors, mais, ce euh... mercredi matin où nous enregistrons l'émission, ce jeudi matin. Parce qu'il a planté trois euh, hier soir. Ouais. Contre... Oh, en même temps, il est rentré à 60e quand tous les autres en face fait, étaient cramés. Euh, ce ne sera pas forcément le cas contre Marseille. Mais euh, ok, bah, écoute, euh, ça demande vraiment une bonne réflexion parce que MAP, là, euh, ils peut faire vraiment la diff. Donc, why not 1,68. Euh... Je ne ah ouais, pas truc, de conneries. Euh, voilà, Je pense qu'on peut trouver un dans un truc comme ça en... pour les francophones étrangers. Mais euh, PSG-Marseille, là, je vois du, euh, les meilleures cotes en France c'est du 1,25 pour PSG. Bah ça demande réflexion, parce que quand tu vois le niveau du PSG, mine de rien, euh, Ariabo manquait Neymar, mais Mbappé revient. Icardi, bah, écoute, il est là, dit Maria. Voilà, quand Neymar n'est pas là, il marche sur l'eau. Euh, ça reste costaud en défense. Écoute, il euh, y, y a un bon gardien maintenant. Euh, après, ça, voilà, ça reste du foot. Le, le 1,25, allez, tu peux le mettre dans un combiné, à la limite. Euh, mais que ça De toute façon, je ne peux pas le prendre en simple. Et, euh, il y a tellement d'impondérables. Mais ouais, normalement, il n'y a pas photo. Je ne suis pas pro PSG, je ne suis pas pro Marseille. Je fais juste une analyse sainte, pure. Euh, après, je me demande, et c'est pour ça que je vous dis j'ai je n'ai même pas été regardé. est-ce que Payet revient parce que je sais qu'il était suspendu quelques matchs, mais là ça va, devoir se, finir, ça va se finir quand même. Il oui, était... on a pris quatre, je crois. Ouais, bah on va, c'est soit le quatrième, soit c'est fini. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc ça c'est important. Si Payet n'est pas là, bon, le 25 peut voir le coup dans un combiné. S'il est là, bon, bah, ça demande réflexion. Alors, moi j'ai d'autres trucs qui m'intéressent. C'est un Saint-Etienne amiens. Avec Pupu, là. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que, que Claudio, euh, Claudio, euh, Claude Puel est, est là, bon, il y a quelque chose qui se passe, même si c'est un gros hold-up, euh, ce qu'ils ont fait la semaine dernière à, à Bordeaux. Penalty à, à dernière seconde. Euh, mais ils viennent prendre 6 points de match, donc c'est plutôt intéressant pour eux. Euh, j'ai du mal à voir Amiens rivaliser avec Saint-Etienne là-bas. Donc, un draw no bet, euh, je pense que vous pouvez avoir du Saint-Etienne à 1-30. C'est très très bon ça, à prendre, euh... et on va venir, on va jouer local. Ah, Brest-Dijon euh... Bah oui, parce que quand j'ai vu les cotes, forcément, euh, Brest-Dijon, 2,25 pour Brest, il y a un beau bête à 1,40, 1,45, et ben je dis pas non non plus, euh, je me souviens du Brest-Metz, on a gagné 2-0, c'est ça Brest, Brest, oui, oui, ouais. oui, de toute façon, à, à, à domicile, Brest, c'est solide, ça n'a pas perdu depuis le début. Ça n'a pas perdu, c'est ça, ça n'a pas perdu, alors qu'on on en a rencontré, quand même, euh, on a, on a rencontré du Lyon, on a battu Reims, on fait match nul contre Toulouse, on a arrêté de gagner. Euh, qui en a rencontré d'autres encore Ben bah, Metz, tu disais. Quoi, puis et on alors, les a battus, voilà, ouais. bon, euh, c'est pas mal. La dixième journée, cinq matchs à domicile. Dijon et Dijon, Dijon, Lanterne Rouge euh, Dijon, toujours l'enterrement. Ah, après, il faut passer à ça, parce bref Dijon, hein, c'est kiff-kiff, entre guillemets. Euh, voilà. Et s'il y en a un qui connaît bien l'équipe de Dijon, c'est l'entraîneur d'en face. Bah, C'est ça aussi l'avantage. D'Aloglio connaît quand même des joueurs d'en face. Donc, euh, je serai au match, tu lui seras aussi, on le sait. J'aime pas parier à la limite quand je vois un match. Euh, bon, mais, euh, mais là, je pense que je suis obligé quand même de mettre, de mettre quelque chose sur Brest-Dijon et de les prendre en drone au bête. À moi, impondérable, pondérable, et, et qu'on perde d'un but. Euh, bon, voilà. Euh, moi, il y a quelque chose qui me titille sur ce match. -là. Allez, vas-y. C'est la cote du but de Gaëtan Charbonnier à 3 moi ouais, mais j'y vais pas parce que Gaëtan Non mais Charbonnier euh, n'a pas ouais, a marqué, mais a marqué une seule fois depuis le début de l'année. Voilà, donc euh, soit tu réfléchis avec la forme du moment et ce qui il reste un bon joueur, il n'y a pas de souci euh, mais euh, il, il fait aussi des passes, hein, il sert beaucoup dans le jeu, repli défensif, tout ça donc euh, un attaquant n'est pas qu'un attaquant. Alors sûr il faut marquer des buts mais si en face on a du de cours qui marque, on a du voilà des, ah. des de autres de, 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 des gens autour qui marquent, bon, alors, ça Wayne nous va bien. Fait son retour. Oui, il bon, était suspendu pour euh, deux biscottes, deux cartons jaunes. Et à Brest, ça change hein, parce qu'il marche sur l'eau, mais aujourd'hui, le, il était, fait partie du top 3 des meilleurs passeurs euh, Alors, je crois que c'est un des joueurs les plus performants dans les 4-5 grands championnats d'Europe. Oh, ben, voilà. En termes de cu tu cumules passes décisives, c'est 5 passes décisives et 2 buts. C'est, ben écoute, euh, honnêtement, drone no au Brest. Alors là, vous pouvez faire, euh, pour ceux que ça intéresse, un drone no au combiné Saint-Etienne-Brest. Vous devez arriver à une cote de 2. Qui est, super, euh, qui est super sympa à jouer. Si y a un des deux matchs, il y a match nul, la cote passe à 1 pour ce match-là, donc vous êtes payé à la cote de l'autre. Saint-Etienne, t'es sûr Saint-Etienne à bien ouais. Je vois pas à bien aller gagner à Saint-Etienne, excuse-moi. C'est plutôt un... c'est pas si dégueulasse que ça. Mais je... j ai, j ai pas dit que c'était dégueu. <laughs> J'ai dit que je ne les vois pas aller gagner à Saint-Etienne avec Claude Puel. Tu m'aurais mis Gislain Printemps Bon, je te dirais, euh, je te dirais, voilà, c'est euh, compliqué, mais euh, mais Saint-Étienne, ça, ça va se réveiller, euh, voilà, c'est euh, ça ça a battu Lyon 1-0, euh, euh, voilà, c'est mais bien sûr, Amiens c'est pas c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, mais euh, je vois pas Amiens, au pire, je vois qu'on sera remboursé, d'accord, et je les vois quand même gagner, donc euh, pas, 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 pas par, un, pas par un, la ligne droite de Longchamp, mais euh, par un but, voilà. Klopp, euh, j'aime bien. Franchement, j'aime bien comme entraîneur. Euh, il a toujours, à chaque fois qu'il vient dans une équipe, il fait du bon taf. bon Après, ça ne dure pas sur le long terme, mais en Angleterre, il, il a fait du nice, bon taf, Master. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui, quand il arrive, peut remettre un, du sang frais. Un, un, et puis, je crois que saint etienne en plus. On récupère, euh, enfin, ils ont récupéré ils ont récupéré petit à petit aussi des, euh, des blessés bon ce qui est chiant c'est qu'ils vont jouer en, en coupe de l'uefa enfin oui en coupe de euh, ça me saoule un peu ça parce que bon forcément ils vont laisser un petit peu de, de jus mais euh, mais tu vois saliba est revenu et mine de rien euh, il appartient quand même à arsenal hein, si je me trompe pas euh, et Arsenal le prête à et le prête à comment j'allais dire à, à Saint-Étienne. Euh, voilà donc euh... et lui quand il est là en défense, bah, vu que c'est une défense à 3 c'est plutôt ça, 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 ça renforce un peu tout ça. Il y a Mouma, Mouma qui, qui... Bah, franchement Kazri a perdu un peu de poids donc euh... non franchement je ne vois pas euh, Amiens aller battre Saint-Étienne donc je prends Droneo bête aussi sur ce match là. Et après, je, honnêtement, je n'ai pas de lecture pour les autres, donc je ne veux pas te dire n'importe quoi sur les autres matchs. Je, je... Oh bah on s'est déjà intéressé à trois matchs de Ligue 1, ah oui, hein. ce qui est quand même conséquent ce qui est par rapport à d'habitude. Ce qui est conséquent. Il euh, n'y a pas pour le rugby, pardon, il n'y a pas de top 14 hein, cette semaine, excusez-moi. Et, et ça va être très intéressant. à... D'ailleurs, tu vois, Bristol l'autre jour a mis une branlée à, à base parce que c'est pareil au niveau des effectifs eux ils étaient moins impactés que, 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 que les autres c'est un peu le lion euh, le lion en France mais en, en, en première chip anglaise il euh, n'y a pas de oui il y a, y a, y a pas de match donc on va dire que pour la prochaine journée je suis du teasing pour la prochaine journée de top 14 il ben, y a beaucoup d'équipes qui vont récupérer des joueurs et là ça va modifier ah là, totalement là, les équipes ils respirent un peu quand même les mecs entre temps ils ont, ben pour ça que ils là, ont eu 15 jours bah, je sais plus combien ils ont, hein. ils ont un peu de De D'autant que peut-être, euh, je sais pas si tu as vu, cette info là, mais ils sont... les joueurs de l'équipe de France ne sont pas tous rentrés en même temps. Oui, parce qu'il y, y en a, en a quatre qui sont restés euh... sur C'est ça, ils sont restés une, une nuit de plus à l'hôtel. Non mais c'est ça, Bon, ça ne change pas le public. Mais, mais euh, ouais, donc euh, tout ça, ça va rechanger. Euh, alors il, il manquera toujours hein, les Blacks, les Anglais, les Africains et les Gallois, euh, qui eux, euh, tu vois, c'est ça, il faut faire attention, parce que tu as des équipes qui sont ouais. vraiment impactées. Style Toulouse, euh, qui, bah, qui, euh, quand Colbé va revenir, bah, mine de rien, sur l'aile, ça, ça change pas mal la donne, et plus les, les, les autres joueurs. Mais euh, voilà, ça, c'est à surveiller. Quand, 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 vous, faites, euh, quand, quand vous pariez sur, sur, sur des championnats nationaux, on va dire, euh, bah, quand les équipes internationales vont revenir, ça va rapporter du, du sang frais. De toute façon, tous tout, les Iliens sont quasiment. Euh, ils sont quasiment tous revenus, hein. ton g machin. Donc, euh, voilà, eux, ils vont être là pour... Euh... Il y a des équipes, ils n'ont rien, où il, y a, il y a pas mal d'Iliens de, dedans. On fait un petit vite fait, on est à combien là Vraiment rapide. De Allez, chez 6 nations, 6 nations, je vous balance oui. des 6 nations. Euh, je vois un, pour moi un gros favori l'Angleterre à 2,25. Euh, en plus, ils ont un calendrier très favorable. Alors oui, c'est... Ils, ils reçoivent les Irlandais, les Gallois, ils se déplacent en France. Ouais. Bon, franchement, c'est pas mal. Donc, euh, euh, stade de France. Euh, et... Alors, je prends une bonne mise sur l'Angleterre. Ouais. Et je mets un petit billet sur la France à 15. D'accord. Et c'est quoi le calendrier de la France Ben, justement, ils reçoivent les Anglais. C'est pas mal. Donc. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils font contre le Pays de Galles euh, C'est au Millennium c est, c est, c est... Non, 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 non. Parce que l'année dernière, on était au. L'année dernière, on a joué, il me semble, au Millennium. Donc, j'ai regardé ça. J'ai plus en tête. Hein, j'ai analysé, le... analysé la chose. Mais. Euh... Donc, en fait, tout de suite d'entrée de jeu tu fais France-Angleterre d'accord euh, bon après tu fais France-Italie ça c'est chiant On vaut mieux toujours se déplacer en, en Italie euh, euh, on va au Pays de Galles pardon on va au Pays de Galles et on va en Écosse ah. mais on reçoit l'Irlande oui mais en même temps à un moment donné euh, voilà donc je mets un petit billet sur la France non, on va au Pays de Galles mais je suis désolé mais quand tu vois le match qu'il y a eu on, est, on peut dans un bon jour on peut très bien les battre si ouais. on ne prend pas le rouge, on les passe, d'accord euh, Et avec la génération qui, qui, qui va arriver, j'espère que Cathy va prendre des joueurs comme Macalou, des choses comme ça, parce que là, franchement, euh, ce serait très, très bien. Et non, mais euh, la côté à 15 de la France, attention, hein, euh, ouais. c'est très, très peu probable, mais pour moi, s'il y a une surprise, c'est la France. Voilà. Euh parce qu'il y a, y a des, des joueurs qui vont prendre leur retraite, il y a des, des, des jeunes qui vont arriver. Et, et ça, voilà, on peut, il peut se passer quelque chose. De toute façon, maintenant, on rentre dans la préparation Coupe du Monde chez nous. Hein. Donc, il y a intérêt à faire quelque chose quand même. Et l'Angleterre, pour moi, 2-25, je crois, 2-20-25. De de J'ai vraiment du mal. On, ils, ils viennent en France, d'accord Ils vont en Écosse. Ils se déplacent deux fois, mais euh, ils vont en France, ils vont en Écosse. Pour eux, euh, peut-être d'ici là, ils seront champions du monde. Euh, ils reçoivent l'Irlande et ils reçoivent le pays de Galles. C'est ça que j'aime bien en fait. Ils reçoivent l'Irlande, ouais. ils reçoivent le Pays de qui sont les deux teams, euh, bah, les deux teams compliqués à, à jouer quand tu te déplaces. Donc euh, j'y crois fort et euh, donc voilà un, encore un, un pari long terme pour moi que, que je prends. Très bien. Bon, bah, on termine l'émission. Voilà. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà, voilà. Bah, Rendez-vous euh, la semaine prochaine. Voilà. On prépare euh, la finale. Pour ceux, euh, voilà, vous mettez des, des commentaires, petit pouce bleu et tout. À la fin des vidéos, vous pouvez même, si vous voulez, vous inscrire à, à ma webconf gratuite. Ça, ça s'affiche euh, en fin de, de vidéo. Et puis, et puis, écoutez, bah, voilà. Maintenant, euh, bon pari à tous. Et euh, et Go Brest en tu vois On n'a pas parlé de, de handball en Ligue des Champions. Ouais. Trois victoires. Hein, la semaine dernière, on vous l'avait donné aussi. Petite cote sympathique qui est passée. Euh, et et j'ai pris mes billets pour Brest-Metz qui aura lieu à la fin du mois. Bah, le choc, le choc de la, de la ligue féminine de hand. On vous en reparlera oh en bah oui. temps voulu. Voilà, Damien n'était pas aujourd'hui là parce qu'il est en, 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 il entraîne l'équipe de Bretagne de foot. Enfin bon bref, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il vous en parlera à la prochaine émission. Allez, bon écoute, je parle toujours. Bah, bon. bah, à est la parti. semaine prochaine. Bah, c est, c est terminé. Allez, bye bye à tous, <laughs> à plus tard. Bon week-end. Ciao ciao. Salut. Les gagnantes émissions de sport et du Paris Sportif.